Hélène Barthès a kidnappé Julia Ducorneau à son émission et nous l'attendons. Elle vient de prendre un mototaxi. Elle est là dans 5 minutes. Voilà. Allez, 5 minutes pour l'émission d'Hélène Barthès. Merci. Merci d'accueillir les producteurs du film, Julie Gayet et Jean Desforêts. Merci de faire un triomphe à celle qui arrive de l'émission de Hélène Barthès. Merci d'accueillir Julia Ducorneau. Et enfin, merci d'accueillir les comédiens de Grave. Merci d'accueillir Garance Marillier. Marion Bennou et Rabanaïd Oukéa. Partage mes doutes, mes craintes, mes crises hyperventilation à 2h du mat,
Et ça fait donc 9 mois qu'il me tient la main, alors que parfois ça fait mal. Et voilà, je te remercie pour tout ça, pour ton soutien. Ah si, je te fais pleurer ce soir, alors tu m'as fait pleurer à Cannes, je serais hyper contente. Merci pour tout. Et voilà, et là, Julie, c'est la mère de Jean. Et en fait, c'est l'opposé, en fait, Julie, c'est celle qui a toujours dit que mon bébé il était super et qu'il était trop beau et que tout le monde allait l'adorer. Et je dis que quand on manque de confiance, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui a confiance pour soi. Voilà. Merci tout le monde. J'avais promis qu'elle n'aurait pas parlé ce soir. Bonsoir à tous, merci d'être nombreux. D'abord, je voudrais remercier cette équipe qui est autour de moi, le producteur de Tête Forêt, Julie Gaillet. Merci à Julia pour ce rôle. Justement, juste pour une anecdote, à l'initiative de Julien, on a beaucoup travaillé avant le tournage. Donc, quand on est arrivé, qu'on a commencé à bosser, on était comme sur des rails. Donc, c'était vraiment un plaisir d'avoir travaillé de cette manière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et merci d'être nombreux. Merci Julien, je suis très touchée qu'une grande réalisatrice ait demandé à une petite réalisatrice de jouer dans son film. Merci Julien. En salle. Voilà, donc comme tout accouchement, il implique du sang, de la sueur, des poils. Allez, je vous remercie beaucoup. Vous allez découvrir.